Elle existe depuis longtemps et pose pas mal de problèmes. Ça n'est pas Marie-Christine Marguet. Non, c'est la frontière linguistique qui sépare la Wallonie de la Flandre. Et comme vous allez le constater dans ce reportage, lorsque vous vivez au beau milieu de cette frontière, eh bien les choses peuvent vite se révéler problématiques. Oui ? Bonjour monsieur, section de contrôle de la frontière linguistique de la SCRF, la SCUF. À vos souhaits. Merci. Je peux rentrer ? Ben non. Voilà, on a fait quelques petits calculs géométriques. On s'est rendu compte que votre maison était située en plein sur une frontière linguistique. Ben oui, alors ? Ben c'est très simple. Je suis chargée d'établir cette frontière. Alors ici, ben c'est sûrement chez la Wallonie. Et ici, ben vous vous en doutez, c'est la Flandrie. Voilà. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Attention, vous êtes du côté flamand. Vous devez dire « Wattestad Wolonzin ». Wolonzin ? Bonjour, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Wallen buiten, het gebeurt dat ik in Vlaanderen ben en ik Vlaams moet spreken. Mais enfin, mon chéri, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es en train de faire un AVC, n'y ouvre ! Oula, mais c'est la magie de la frontière. Dites votre lit conjugal, où est-ce qu'il se situe ? Hierboven. Non, non, il est au-dessus. Ah mais attention, mettez-le bien d'un seul côté de la pièce, hein. Sinon vous allez voir, vous n'allez pas arrêter de vous engueuler. À court, et vous de toilettes ? Vous les toilettes ? Ah oh, ben les toilettes c'est bilingue, hein, parce que ce soit géré par les Wallons, par les Flamands, de toute façon, c'est la merde. Allez, fin de journée ? Bon, moi je vais me reposer. Et coke ? Ah bah non, toi t'es du mauvais côté, donc tu vas travailler. Ouais, coke. Allez,